Donc bienvenue à Élancourt dans les Yvelines. Le début de la compétition commencera à partir de 13h, je pense, midi et demi, 13h. Donc là, c'est les sélections Île-de-France. Donc là, il y a du beau monde qui commence à arriver, des personnes avec, comme on dit, un bon CV chez nous. Voilà, donc là, c'est la dernière étape avant la finale qui sera à Grigny le 4 juin. Donc Mathieu Husson, je viens combattre pour le VIC à Élancourt. Donc c'est une sélection pour le VIC qui va avoir lieu dans un mois à Grigny. Et je viens ici pour déjà accumuler de l'expérience, hein, c'est pour faire une compétition en plus dans l'année. Et surtout pour avoir la chance de participer à une grosse compétition qui est incontournable dans le milieu du grappling français, le VIC. Je vais arbitrer le VIC, qui est pour moi une des plus grosses compétitions en France, si ce n'est en Europe. Tant sur le niveau des combattants que voilà le l'organisation, c'est vraiment pour moi le must des compétitions de grappling en France et en Europe. Je viens faire le tournoi du VIC qui va bientôt commencer d'ailleurs. Et voilà, je suis là pour le VIC et puis me qualifier et voir gagner. Je suis déter aujourd'hui en tout cas. Pour notre KT, ouais, ça va être dur, mais bon, je suis venu pour gagner, je vais aller à fond. Pourquoi j'ai voulu faire le VIC? Pour moi, c'est l'une ou la meilleure compétition d'Europe qui à ce moment-là au niveau. Et l'année dernière, comme j'ai perdu au deuxième tour du VIC sélection contre Samuel Jude au point. Et j'ai voulu reprendre ma revanche, hein, et essayer de la gagner un jour. Et tant que j'aurais pas gagné le VIC là, je serais toujours ici. Hein. Je suis combattant de la Snake Team depuis maintenant bientôt 2 ans. Voilà, et puis là je viens me qualifier pour la finale du VIC à Grigny. Le VIC c'est juste aujourd'hui la plus grosse compétition de rappeling, je veux dire en France et en Europe. Donc comme on peut voir aujourd'hui sur la région parisienne, il y a les meilleurs combattants. En fait je viens ici, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas fait de compétition de grappling. Ma dernière c'était au Gotti et on vient se remettre dans le bain et se faire plaisir et en gagnant, mettre au maximum, je me suis préparé. C'est une belle compétition, c'est bien préparé. On va y aller à fond. Bon, nous on est là hein, en tant qu'organisateur. Et Gaël, lui, c'est le président du club hein, depuis la création du club. Et il est là, il nous soutient. Et dans toutes les démarches, en fait, tout ce qui est insertion, toujours hein, à travers le sport avec les jeunes. Donc l'idée de le faire à Élancourt aussi, ce serait bien si on pouvait se mettre d'accord avec la mairie pour lutter contre la délinquance ici dans le 78, on va dire Trappes, Élancourt, toutes les villes autour. Et la salle elle est magnifique ici, comme vous pouvez le voir, elle est super grande, super aérée. Par contre, c'est vrai qu'elle est un peu excentrée de Paris, c'est peut-être pour ça que ça a rebooté quelques combattants. En tout cas, déjà, on a une très très bonne base avec un haut niveau, donc c'est vraiment super. Quoi. On vous donne rendez-vous pour le VIC 4, la finale, à Grigny, où ça va être encore plus du haut niveau et encore... Samedi 4 juin, voilà, à Grigny, donc, voilà, le lieu historique. Dans la bonne humeur. Et voilà, et dans le respect, le fair play. Un petit remerciement à la ville d'Élancourt pour nous avoir quand même reçus ici. Voilà. Voilà.
recevoir Monsieur Deli Somboli. It's Richard Enders. I'm from Czech Republic, and I really enjoy submission wrestling. And I've heard that Vik is a really good European competition. That you have a lot of great fighters in France, and also that you you have here very often big stars from United States or Brazil, like Pablo Popovic, Jeff Monson. So. That's why I decided to go here and to see if I can possibly compete with the guys here. My experience in submission wrestling is like is about 5 years. I did a lot of combat sambo. Now I started to do Brazilian jiu-jitsu. So I really hope that these skills will help me to be successful. Yeah.
C'était mon premier combat de la journée, donc c'est un peu dur pour moi parce que les règles, bon, on n'a pas le droit trop de tirer la garde pour se mettre sur le dos, sinon on est pénalisé, donc ça m'a un peu déstabilisé. Après, ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai fermé la garde au début pour pas trop prendre de risques et j'ai réussi à mettre un triangle et nickel bras derrière, donc tout va bien pour le moment. C'était rapide hein, parce que c'est un débutant, un gars je pense qui avait moins de 2 ans de pratique. Donc ça a été rapide, je l'ai amené au sol, je l'ai contrôlé en 100 kg et puis après je l'ai soumis avec une anaconda choc. Donc voilà, il a tapé immédiatement, donc ça a duré 2 minutes. Et puis je pense que le plus dur reste à venir là maintenant. Donc voilà. Je tombe sur une personne que je connais pas trop. Donc voilà, premier combat, je suis toujours un peu mou. Donc voilà, il s'est jeté au sol au moment où j'allais faire une amenée. Après voilà, mon genou était bien placé, je suis passé. Après tout, de la latérale, tout s'est bien fait, je suis content. Maintenant en 73, d'habitude je la fais en 67. Là j'ai pas eu le temps de faire le régime, j'ai eu quelques petits soucis. Et 73, il y a du monde, là ça va être chaud aujourd'hui. Je vais donner tout ce que j'ai. Mais l'essentiel c'est de se qualifier déjà. D'être dans les 4 premiers et après on verra. J'ai déjà passé un tour à l'œil, donc ça fait 2 tours là. Je sais pas si je suis déjà qualifié ou pas. Je l'espère, je vais aller jeter un œil. Et voilà, selon ça, on verra pour la suite. Yeah!
assez difficile, je l'avouerai, parce que franchement, petit garçon de 19 ans avait un très très bon niveau. Donc sinon voilà, quoi. On a fait parler un peu l'expérience, c'est tout. Avec ce que ça représente pour moi. Déjà ce que ça représente pour moi et à peu près pour tout le monde, c'est une des meilleures compétitions de grappe. Je dirais même la meilleure compétition de grappe d'Europe. Donc ce que j'attends, c'est les qualifications. Mon combattant, je suis monté crescendo, passage de garde, j'ai marqué mes points avant de faire les soumissions pour la sécurité. Et là, comme j'étais exemple d'un tour du premier tour, et ben là je passe en demi-finale. Et comme c'est les quatre premiers du VIC de la Tour de Paris qui sont qualifiés, ben, je préfère éviter le danger, pas me blesser. Vu que je suis qualifié, j'arrête là la demi-finale, comme ça, comme c'est les 4 premiers, j'arrête en demi-finale pour me préserver pour le combat du 100% fight VIP pour la ceinture. La ceinture, je la veux moi, tu vois, c'est chaud. Voilà quoi. À sortir de sa garde pour arriver en demi-garde pour prendre une position dominante. J'ai contrôlé, j'avais la jambe coincée entre les siennes, donc déjà j'ai réussi à collecter des points entre temps, j'ai mis 9-0. Et puis il fallait que je finalise, donc j'ai inversé mes hanches et puis j'ai attaqué son pied, son talon, en clé de talon. Là je vais tomber normalement contre mon partenaire d'entraînement qui est en train de combattre, Kostia Shlakov. Voilà, donc malheureusement on pourra sûrement peut-être pas faire une demi-finale, il me laissera passer je pense. Donc je devrais combattre directement en finale. Et je pense que je combattrai contre Walid Seguir qui est juste là. Donc voilà. Donc il fait son modeste mais il est dangereux sur les clés de jambes. Il attaque bien les clés de jambes et en plus avec mon style, je laisse souvent traîner les jambes. Donc voilà, je pense que ça sera un bon combat et puis ça sera surtout stratégique. Et voilà. Et bien sûr avec une belle victoire pour moi. Première chose, je tiens à féliciter mon adversaire. Il a fait un combat honorable. Il est sorti de plusieurs situations relativement compliquées. Je suis parti deux fois en clé de cheville. Il a super bien défendu. Ensuite, arrivé à mi-combat, j'ai senti qu'au niveau du cardio et de la préparation physique, j'étais vraiment là. Et donc, petit à petit, j'ai structuré un peu mon jeu de façon à le fatiguer. Et à la fin, j'ai accéléré jusqu'à sentir la clé et finir par faire taper. Voilà. Vive!
Je suis tombé sur Adan Wari, ceinture marron, très fort, un très bon ami à moi. Je voulais pas trop tomber sur lui, mais bon. Après, ouais, on peut pas s'éviter non plus pendant 20 tours, hein, au bout d'un moment. Voilà, il a fait ses preuves, j'ai fait les miens, on s'est retrouvés. Vraiment très fort, il a failli me prendre le dos. Avec chance, j'ai bien défendu. Il s'est traîné sa cheville, je l'ai prise, je gagnais au point, je pense 6-2, quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis content, donc je pense que là, je suis qualifié. Maintenant, à mon avis, je vais tomber sur Mathieu Husson. Jamais rencontré, et j'aimerais bien voir ce que ça donne en même temps. C'est l'un des meilleurs, et j'aimerais bien tester un peu mon niveau, on va dire. Par contre, le mec qui s'entraîne avec lui, je ne le connais pas trop. Il est très fort, très vif, très bon au-dessus. Il a des très bonnes clés de cheville, donc je vais me méfier de ça si je tombe sur lui. Le travail que je fais habituellement, amené au sol, j'ai une assez bonne lutte. Ensuite, travail de position, j'ai essayé de finaliser au début. Il n'a pas l'air comme ça, mais il était assez coriace. Et donc finalement, j'ai réussi à prendre la kimura et puis à finaliser. Donc voilà, là, donc logiquement, je suis sélectionné. Enfin, je passe en finale. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et on verra par la suite. Il était très puissant, j'étais assez surpris, il avait beaucoup de force et c'était un jeu assez bloqué, donc on tétanise vite dans ces cas-là, mais c'était un bon combat et je suis content de l'avoir finalisé. La suite, c'est la finale et puis on se retrouve à Grigny en juin. Comme ce sont deux combattants du même team, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, on a toléré qu'il y ait un arrangement entre les deux pour pas qu'ils s'affrontent. Mais lors de la finale, le 4 juin, il n'y aura aucun arrangement, que ce soit au premier tour, deuxième tour ou en quart de finale, demi-finale. Celui qui combat pas, élimination directe, donc pas de prime. On peut pas, il y a des gros enjeux, donc pas de combat, pas de prime. Voilà, tout simplement. Allez, Karim, remets le mot, c'est bon. Voilà, bien.
passé, on l'a fait très détendu, j'étais qualifié, et puis je voulais me faire plaisir. Et puis bon voilà, ça y est, on est qualifié pour le 4 juin. Je pars en vacances, je vais me préparer en même temps et puis pour faire une belle prestation. Donc je suis bilan mitigé pour moi parce que très déçu de ma demi-finale perdue. Mais bon, content d'être revenu et qualifié pour repartir sur de très bonnes bases. Donc ça n'a pas du tout été facile, donc, j'en attendais pas moins du VIC. C'est vrai que les qualifications Île-de-France, il y a toujours pas mal de pointures. Bon, je suis parti un petit peu blessé au pied et assez fatigué. On va prendre la finale tranquillement. Quoi. Déjà, je vais revenir sur mon combat demi-finale. J'ai perdu, j'ai dû travailler la lutte alors que c'est pas mon truc la lutte, parce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sinon on perd des points. Donc je me suis fait projeter, j'ai perdu ce combat, donc je l'avais au travers de la gorge. Et là j'ai décidé, bon, tant qu'à quitte à perdre, je m'assois direct, quitte à perdre le point, et j'ai fait mon travail habituel d'où je remercie tous mes profs du Sartissier qui m'aident à faire tous les jours. Et voilà quoi, ça a payé, tant mieux. Je repars troisième mais un peu en travers de la gorge. Quoi. Voilà. Merci. J'ai affronté Walid Seguir, donc un très bon combattant. J'ai eu chaud dès le début, je me suis pris 4-0, je crois 4-2, dès le début du combat. Donc j'étais pas très réveillé en fait. Et bon, j'ai passé la deuxième, la troisième pour arriver à 13-4. Donc je suis plutôt satisfait de ma performance, même si j'étais pas vraiment dedans. Et j'espère qu'au VIC, je serai plus réveillé, surtout sur la finale, parce que les autres combats préliminaires, c'était plutôt tranquille. J'étais bien, j'étais à l'aise. Donc voilà, donc j'espère que le 4 juin je serai en forme et puis voilà pour faire un podium. Allez, 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 allez
Très difficile avec Cédric à Kopovi, un des jumeaux, un bon fighter. C'était très dur. Je gagne au point d'une amenée au sol. Donc voilà. Merci en tout cas au Vic Tour pour cette superbe compétition. Et on se dit rendez-vous à la phase finale à Paris, à Gring. J'en ai attendu un peu longtemps, donc je me suis un peu libéré, un peu relâché toute la pression sur le monsieur. Mais en fait, toujours bien mentalement, en fait, hein, y a pas de souci. Mais encore un grand merci au Vic parce que l'organisation nickel toujours. Et franchement, j'espère qu'ils continueront comme ça. Donc tous les cadres, tous les encadrants, ils sont impeccables. En tout cas, merci encore beaucoup. Alors, aujourd'hui, mon parcours, j'ai combattu en moins de 96 kilos, avec un poids de forme de 93. On était reparti dans une poule de 5, donc j'ai fait 4 combats. Grâce à Dieu, j'ai réussi à gagner mes 4 combats, dont un par finalisation, les autres plus par points. Et voilà quoi, donc là je suis qualifié pour la grande finale de Grigny, où ce sera une autre paire de manches, je pense, avec des tous aussi forts combattants, mais je pense que ce sera déjà un autre niveau. Et ben voilà quoi, donc je vous donne rendez-vous à Grigny le 4 juin, si Dieu veut, et en espérant qu'on fasse des beaux fights, qu'on vous donne du spectacle et qu'on s'en sorte avec pas trop de bobos. Franchement, aujourd'hui pour moi c'était une très très bonne journée, je m'attendais à beaucoup plus de monde. Sauf qu'on s'est aperçu de l'erreur qu'on a commise via le site internet. En fait, beaucoup de combattants attendaient qu'on leur renvoie un email de confirmation pour leur dire qu'ils pouvaient venir aux sélections, alors que c'était juste des préinscriptions pour nous, de façon à lister et voir combien de combattants on allait avoir tout au long de la journée. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Il y a eu le nombre de combattants qu'on souhaitait. Il nous reste encore les combattants qu'on a invités, les combattants étrangers aussi qui ont confirmé leur présence. Dans l'ensemble aujourd'hui, de très très beaux combats. Bon, je m'y attendais aussi parce que c'est vrai qu'à Paris, le level est assez haut. C'est pas pour dénigrer les autres villes avoisinantes ou les autres régions. Mais à Paris, on a beaucoup plus de combattants et vraiment, ils ont mis la barre très très haute. Et une très très belle prestation aujourd'hui. Rendez-vous tous le 4 juin. C'est pas fini. Ça sera la crème des crèmes. Dernière compète donc pour la finale, le 4 juin à Grigny.
1 000 € à récupérer et une ceinture par catégorie. Et là, vraiment, le level, vous allez vraiment être surpris parce que ça sera 16 compétiteurs de haut niveau. Voilà.